Puis ouais, contrairement aux autres crues qui sont arrivées, vous êtes arrivé avec un petit peu plus de retard, si on peut dire ainsi. C'est vraiment vos premiers pas avec ce groupe, ce nouveau groupe. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien. C'est un très bon groupe, travailleurs, et ils m'ont tous très bien accueilli. On sait que le club vous suivez ces dernières saisons, notamment suivez un petit peu vos performances. Finalement, ça y est, vous êtes au Sporting Club de Bastia. C'est quoi vos objectifs, vos attentes sur cette saison? Mes objectifs, déjà, c'est d'enchaîner un maximum de matchs et mettre un maximum de buts. Franchement, la saison dernière, j'ai pas vécu une saison très compliquée, mais j'espère en faire une meilleure. Alors justement, la saison dernière, vous étiez du côté du Paris FC, équipe du haut de tableau de Ligue 2. Aujourd'hui, vous arrivez au Sporting Club de Bastia, mais qui a peut-être une histoire bien plus grande, bien plus importante que le Paris FC. On va dire qu'il y a quand même un changement de calibre peut-être entre les deux clubs, sans manquer de respect au PFC. Mais on sait qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes avec les supporters, vous en avez conscience? Ouais, on m'en a parlé. C'est vrai que même quand je suis venu jouer ici plusieurs fois, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait une ferveur derrière le club, et c'est ce que j'aime. Justement, parlez-nous un petit peu de vous, votre préférence sur le terrain. C'est plutôt axial, c'est plutôt joueur de côté? C'est vrai que je peux jouer les deux, mais j'ai été formé en tant que numéro 9, et je suis plus à l'aise quand je joue à deux devant. Après, je suis capable de faire les deux, mais mon poste préférentiel, ouais, c'est devant. Hâte de débuter? Très hâte.